Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui. Le Lunishmat Avraham, Mordechai, Ben Yitzhak, Befani, David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, et Dvorah, Batester, si vous souhaitez aussi des une prochaine étude de Misha. Contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Ketubot, Perikud, Gimel, Mishna Zain. Mishé Alach, Limdinat, Ayam, Ve Avda, Derech, Sadeu. Admon Omer, Yelech, Biktara. Rachamim Omri. Iknelo, Derech, Bemehamane, O Ifach, Ba'avir. Je traduis d'abord le cas, et après on explique. Mishéalach limdinat ayam. Il y a quelqu'un qui est parti à l'étranger, dans un pays lointain, pendant plusieurs mois, business. Et puis après, il revient ici. Ve'avda derer sadeu. Il a perdu le chemin qui le conduisait à son champ. Il ne retrouve plus le chemin. Et maintenant, il est chez des terrains mitoyens. Eh bien, Admon Omer, Admon me dit, Yeler Biktara, qui choisissent le plus court chemin et qui le reprennent. On dit que Vechachamim Omrim, Iknelo Derech Bemehamane devra acheter un terrain, un chemin à prix, un droit de passage à prix coûtant bien cher, sans mané même si nécessaire, ou Ifrach Bavir ou sinon, qui vole dans l'air, qui se fasse pousser des ailes pour atteindre son champ. De quoi on parle? C'est pas compliqué. On est d'abord, tu rappelles, on est dans les histoires, dans les psakim, les décrets de Admon et de Hanan, vous rappelez depuis le début de la Mishnah Aleph du Pericule Gimel, Shnedarin Exodat à Yerushalayim, et là, Admon, il y avait des psakim de son Beddin qui sortaient, ça c'est un des sept, que la Halakha n'est pas retenu comme lui de nouveau, que, ça, on parle de quoi précisément? On parle qu'il y a, ouais, quand on regarde les livres de Gemara, là, c'est la même chose, on a un petit carré, c'est là où il y a la Mishnah, et puis c'est entouré comme ça, là, d'accord, avec le Barthénoral, tout ce qui est bah, c'est exactement ce qui se passe. Il y a Réhouven, il avait un terrain qui avait autour de lui, c'est fréquent quand vous êtes dans les vallées, dans les campagnes, il y a un terrain, parfois il y a un terrain, et il y a autour quatre autres terrains, il n'y a pas de route principale qui passe à côté. Pour atteindre son terrain, il emprunte un petit chemin en passant entre le terrain de Shimon et de Lévi là-bas, il a un petit droit de passage. Il y en a qui passent par là, il y en a qui passent par là, ça dépend. Il y a un terrain, il y a un passage qui a été utilisé, qui avait un droit dessus. Comment ils ont fait pour avoir un droit? C'est des histoires antiques, ça date de l'arrière-grand-père qui l'avait fait hériter en champ. Il avait laissé un droit de passage, il avait laissé un droit de passage qui était, allez, pour le cas, à nord-est, il y avait un droit de passage depuis la route principale jusqu'au champ. Il y avait là-bas une bande de 800 mètres sur laquelle il avait l'habitude de rouler là-bas, 800 mètres, sur une largeur de 4 mètres, de 2 mètres. Il passait là-bas toujours avec son petit tracteur ou avec son cheval. Voilà, c'est comme ça qu'il atteignait son champ. C'était l'usage. Celui du milieu, donc Réhouven, il est parti à l'étranger. Donc pendant plusieurs mois, il a laissé son champ en friche, c'est pas grave, c'était la Shemitah. Il revient finalement au bout de 8 mois, 9 mois. Il revient, il voit qu'il n'y a plus du tout de passage pour aller pour repartir au terrain. Et il ne sait pas, quelqu'un lui a pris son passage, il ne se souvient plus. Comment je faisais? Je venais du nord, je venais de l'est, du sud, où j'avais mon droit de passage en fait? Il ne retrouve plus son droit de passage. Ils se sont appropriés, ils ont vu le terrain en friche, ils se sont dit c'est dommage, une bande de 800 mètres sur 2 mètres, ça fait quand même, on peut planter encore beaucoup de courgettes dessus, pourquoi pas? Donc du coup, ils ont annexé le terrain. Plus personne ne se souvient de rien, bien évidemment, vous imaginez la scène. Ouais, rester la bouche bée, dire « je sais pas du tout ». Et donc le pauvre, là, il a envie d'atteindre son terrain. Comment est-ce qu'il va atteindre son terrain? Vous comprenez la problématique? Il a son terrain au milieu, il a quatre terrains. Ça c'est Réhouven, il y a Shimon, Lévi, Yehuda et Issachar, ils sont dans les quatre. Et chacun, il renvoie la balle à l'autre. Il dit « moi, jamais tu passais par moi, tu passais par là ». Yehuda, il va voir Yehuda, il dit, ça va pas, Yehuda, moi, va chez Shimon. Et l'autre dit, non, va chez Issachar. Et comme ça, il le balade, et le pauvre gars ne sait pas comment il va atteindre son terrain. Voilà le cas grossièrement, comment il est présenté. Et si c'est ça, alors la Mishnah nous dit quelque chose de bizarre, parce que Admon, il va nous dire, Yeler Biktara, qu'il prenne le plus court terrain, genre, on va dire, écoute, tu peux passer là-bas, il y a 800 mètres par ici, 400 mètres par là, et 200 mètres par ici. Eh ben, tu sais quoi? Viens, prends le chemin de 200 mètres. Pour quelle raison? Il n'y a aucune logique. Je vais expliquer pourquoi il n'y a pas de logique. Mais d'abord, je vais rester sur ça en expliquant Chachamim. Que Chachamim nous dit, écoute-moi, mon cher Réhouven,
Tu t'achètes un droit de passage, et même si on te réclame une fortune, 100 manés pour un droit de passage, c'est le prix qui est fixe, il n'y a rien qui force quelqu'un à... Il n'y a rien qui me force à vendre un droit de passage de mon voisin pour qu'il aille voir à la fenêtre là-bas, pour qu'il aille vérifier. Ouais, c'est normal. Il n'y a rien qui va forcer quelqu'un à de te donner un droit de passage. Donc, si te prie, il te taxe un prix violent, tu le payes, ou sinon, il frappe à vire. Qu'il vole avec des ailes, qu'il se fasse pousser des ailes et qu'il essaye d'atteindre son terrain comme ça. Et s'il réussit, ensuite, il faudra mettre des ailes aussi à son cheval et à son taureau pour apporter la charrue comme ça aussi. Donc finalement, ben, rien à faire, il est bloqué le pauvre. D'accord? C'est ce qu'il a écrit grossièrement. Mais on peut bien comprendre. Là, en l'état, c'est Chachamim qui ont raison. C'est pas possible de discuter sur ça. Parce qu'il n'y a aucune raison que Admon, il va nous dire que dans un cas pareil, que Yelech Biktsara, il aura un droit de prendre le chemin le plus court. Il n'y a aucune raison de lui donner un droit au chemin le plus court, d'accord? Ouais. Pourquoi? Imaginez que vous aviez 2 mètres carrés dans mon minyan. Je sais pas si c'était chez moi ou si c'était chez le voisin. Il n'y a pas de raison de vous dire, ah écoute, moi j'ai une plus grande maison que le voisin, on va vous donner 2 mètres carrés de chemin. C'est quoi, on n'est pas des communistes que nous... Ouais, comment on fait des... Il faut un brin de logique, il n'y a rien qui me force à lui donner, d'accord? Alors quoi? Donc c'est pas aussi possible d'expliquer comme ça à nous-mêmes. En fait, on parle d'autre chose. Et la Gemara, elle explique comme ça. Il y a 3 situations. Premièrement, si Réhouven, il était encerclé par que les terrains de Shimon uniquement, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, de tous les côtés, il est entouré par Shimon, et le Réhouven, il est juste au milieu. Alors là, selon tous les avis, il faudra lui donner un petit chemin, le plus court chemin, en lui disant, écoute, tu sais plus par où tu passais, désolé, j'ai débordé, mais... Mes paysans, quand ils ont. Mes employés, quand ils ont travaillé, ils ont planté même le terrain. Hein. Peu importe. Mais t'as raison, je te dois un terrain, je te dois un droit de passage. On va prendre du plus court passage. Si tu viens par là, tu vas prendre que 200 mètres. Je te donne 200 mètres. Sur 2 mètres de large, je te donne un droit de passage par là-bas, au plus court. Ça, c'est si ça, tout appartient à une seule personne, à Shimon. Si ça appartient à 4 personnes différentes, alors ils vont jouer ensemble au tennis. Ils vont s'envoyer la balle un avec l'autre, il va partir voir l'un, il va lui dire, allez, pchit, va chez le voisin, l'autre va chez le voisin, il va chez l'autre, et voilà, le pauvre, il a perdu. Là, on parle et là, il n'y a pas de discussion non plus. On parle d'un cas très particulier dans notre Mishnah, on parle qu'en réalité, tout appartenait initialement à Shimon. Excusez-moi. Tout appartenait à 4 personnes, initialement. Shimon, Lévi, Yehuda et Issachar. 4 personnes autour de lui. Puis finalement, il y a eu Shimon, il a fait fortune, il a acheté les terrains de tout le monde. Donc maintenant, Réhouven va voir Shimon et lui dit, écoute, c'est vrai que initialement, on a eu un moment où je pouvais plus aller voir personne, parce que chacun il me baladait chez l'autre, il m'envoyait chez l'autre. C'est vrai. Mais à présent, quoi qu'il arrive, maintenant tu t'es approprié tous les terrains. Donc c'est sûr que c'est toi qui me dois un chemin. Parce que de 4 choses l'une. Soit tu me dois par rapport à ce terrain, soit c'est par ce terrain. Soit... Quand il arrive, j'avais un droit de passage. On ne sait plus où est-ce qu'il est, mais c'est sûr que je l'ai. Donc tu sais quoi? Choisis le chemin le plus court, le plus incommodant, ce que tu veux, je te suis. Mais donne-moi le strict minimum, mais en tout cas tu me dois un chemin. Ça, c'est Admon. Cette fois-ci, Admon, apparemment, il a raison. Parce qu'Admon, il va dire, écoute, c'est vrai, tant que ça appartenait à Shimon Lévi, Yehuda, Issachar, il ne pouvait pas reprendre de terrain. Mais à part maintenant que tout est revenu dans les mains d'un seul propriétaire, alors maintenant, de quoi qu'il arrive, Mimanafchar, ce qu'on appelle de 4 choses l'une, tu me dois un chemin. Et Chachamim, sur ça, il y a rhétoriques qui disent non. Dans la mesure, il y a une règle qu'il faut bien comprendre, ça c'est délicat, on ne peut pas extrapoler tellement dessus, mais que chaque acheteur, il peut prétendre les droits de celui qu'il a vendu. Et Shimon, en fait, il va le rétorquer. Écoute, d'une manière, c'est un jeu un peu mafieux, vous allez dire, écoute, si tu commences à me faire des problèmes, moi je rends le contrat au vendeur, je fais comme si qu'il ne me l'a pas vendu, et devant lui, il te cloue le bec, tu ne peux plus rien dire. Ouais, vous comprenez l'idée? Shimon, il va dire, écoute, tu commences pas maintenant à me prendre la tête, à me réclamer un terrain, à réclamer un droit de passage, parce que moi, sinon, je vais redonner un des shtarot, un des contrats que j'ai acheté quand j'ai acheté les 4 terrains, les 3 terrains, et ben, il y en a un qui appartient. Je vais rendre le contrat à l'un, et puis de nouveau, on va jouer au tennis entre lui et moi. Alors reste tranquille, ne réclame rien, t'as perdu ton droit. De manière générale, on apprend finalement Mamachar Rishon Lacheni, Kol Yado, que tout, de manière générale, tout droit qu'un vendeur a sur un terrain de réclamer quelque chose, celui qui vient acheter,
de par ma force, quoi, de par mon droit, il récupère les mêmes droits que le vendeur. D'accord? Il prend les mêmes droits que le vendeur, et donc il pourra de nouveau balader le pauvre Réhouven du milieu. Ok? Et là, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Toub. Salam.